C'est pas mal, ça. Faudra que je m'en souvienne la prochaine fois que je sauterai ta mère. Pas maintenant. Vous avez été tragique en combat, hein. Et en combat, et plus de toute façon, à la guerre. Ce sera pas la vôtre. Il y a tout un campement de manouches qui risquent de te trouver beaucoup moins drôle. Quand ils essaieront d'éteindre leur môme transformé en torche. Maintenant, lève-toi et va te battre. Dans les yeux, pas de combat. Mettez le paquet, on y va. Appelle être sauvé par le gong. Tu sais ce qui va se passer si tu le mets KO. Tu mesures les conséquences. Il faut pas le mettre KO, Mickey. Séparez-vous! Séparez-vous! Dans les cordes, ils pensent que c'est truqué. Retourne-y et fais-lui mal. Mais putain, Mickey, le mets pas KO. C'est compris.
tout ce qu'il a à faire, c'est rester couché. Là, on est dans la merde. On s'en va. Connard de Manouche. Il sait que Tête de Brique a posté une douzaine de gorilles autour de son campement et qu'ils sont prêts à faire un carnage. Et quand ils les auront tous liquidés, je sais que ce sera notre tour. Ça vous est déjà arrivé de traverser la rue sans regarder? Passe-moi le flingue, grouille! Et là, sorti de nulle part, une voiture vous fonce dessus. Qu'est-ce que vous faites? Un truc vraiment idiot. Vous vous figez. Et vous voyez pas votre vie défiler parce que vous avez trop peur pour penser. Vous restez planté là avec l'air con. Mais pas le Manouche. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan pour écraser la voiture. J'avais remarqué un truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le gitan semblait avoir pris la mort de sa mère un peu à la légère. Toute action entraîne une réaction. Et une réaction de Manouche, ça fait très mal.